te nanda yo, papa nanda yo, zambé na. Voilà mes bien-aimés. Mes fidèles, je peux dire téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez pour la toute première fois aujourd'hui, je suis dans la joie de vous présenter le ministère REMA, Capitaine Antoine Mbombe Ministries, ce ministère qui a 7 branches d'activité. Et ces branches sont Radio, Télé, REMA. Et il y a également la branche d'activité Liba les Abiens, c'est-à-dire le mariage est bon. Et une autre branche, c'est l'église REMA, l'amour triomphe toujours. Comme aussi une autre branche, c'est la librairie publication chrétienne. Et puis également cette branche d'activité la plus importante également qui forme des leaders, l'école de formation biblique REMA. Il y a également la branche d'activité Réunion d'affaires du Royaume. Donc, Réunion d'affaires du Royaume qui forme les entrepreneurs PDG de leurs propres affaires. Et enfin, la toute dernière branche, cours biblique par correspondance. Cette branche qui est d'ailleurs opérationnelle en ce moment où nous sommes en train de vous servir au travers des réseaux sociaux. Voilà les 7 branches d'activité du ministère REMA, Capitaine Antoine Mbombe Ministries. Donc, j'ai le grand plaisir de vous présenter à partir d'aujourd'hui, et je crois qu'au travers de toutes ces branches d'activité, Dieu vous bénira abondamment, et je vous appelle, mes bien-aimés, à vous adhérer, c'est-à-dire que à vous impliquer, à suivre toutes ces branches d'activité du ministère REMA, et je crois que votre vie changera de manière radicale, et je crois que c'est Dieu qui dira vraiment, ce n'est pas pour rien qu'il vous a mis ici sur la terre, parce que vous connaissez le but pour lequel il vous a mis ici. Et vous êtes en train de libérer votre potentiel au maximum et d'aider les autres. Bienvenue au ministère REMA, Capitaine Antoine Mbombe Ministries, ce ministère dirigé par votre humble serviteur, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur Capitaine Mbombe, le professeur motivateur, qui vous présente les 7 branches du ministère REMA, Capitaine Antoine Mbombe des Ministries. La première branche, c'est radio-télévision et réseaux sociaux. C'est le ministère qui vous permet de nous suivre, même si vous êtes de loin. En un rien du temps, nous pouvons vous servir avec la parole de Dieu, parce que le ministère REMA, c'est un ministère chrétien qui prêche la parole de Dieu, l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et la seconde branche du ministère REMA, Capitaine Antoine Mbombe Ministries, c'est la branche Liba les Abiens, le mariage est bon, parce que ça c'est vraiment ma particularité. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de vivre 31 ans de vie conjugale avec nos 6 enfants que Dieu nous a donnés, et on donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi nous avons cette branche Liba les Abiens, et comme j'ai toujours dit, la relation familiale a une corrélation, ou la réussite familiale a une corrélation avec la réussite personnelle dans la vie. C'est ça la branche Liba les Abiens. La troisième branche la plus importante, c'est l'église REMA, l'amour triomphe toujours. Cette grande église qui aujourd'hui est à la 20e année de son existence, depuis le 8 février 1998, et cette église qui est conduite par son pasteur, le pasteur enseignant Capitaine Mbombe, que vous êtes en train de suivre en ce moment, et qui est situé sur Banalia de Motranka, dans la commune de Kasavubu, dans la ville province de Kinshasa, dans ce pays, la République démocratique du Congo. Et la quatrième branche d'activité, c'est cette branche que nous appelons École de formation biblique REMA, parce que c'est une branche qui est en train de former des leaders de qualité, de personnes d'influence dont les nations et le monde ont besoin. Et voilà cette quatrième branche, l'école de formation biblique REMA.
et qui est en train de former des ouvriers vertébrés et qui sont appelés à apporter l'évangile partout dans le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Et la cinquième branche d'activité, c'est la branche librairie publication chrétienne. Et c'est dans cette branche que vous pouvez retrouver des livres que nous mettons à la disposition des gens pour qu'ils deviennent des leaders, parce qu'on dit que les grands leaders, ce sont des grands lecteurs. Et voilà pourquoi si vous venez dans notre bureau, là où je suis pour le moment, là où se trouve également notre bibliothèque sur Croisement Denis Kassavoum numéro 64 Gambela, au deuxième niveau de l'immeuble Massamouna, vous pouvez venir lire des livres et assurer votre croissance personnelle. Donc, vous venez, vous lisez les livres, comme aussi les autres revues que vous pouvez trouver dans cette bibliothèque et qui vont assurer votre croissance personnelle. Et il y a également la toute dernière ou l'avant-dernière branche, c'est la branche Réunion d'affaires du Royaume. Et dans cette branche, nous sommes en train de former des entrepreneurs, les PDG de leurs propres affaires. Pourquoi continuer toujours à travailler étant toujours un employé? Vous pouvez devenir PDG de votre propre affaire, créer votre système qui travaille à votre place et en même temps vous devenez investisseur, celui pour qui l'argent est en train de travailler. La septième et la toute dernière branche, c'est les cours bibliques par correspondance. Cette branche qui est venue au bon moment, en ce moment où je suis en train de parler, avec la facilité des réseaux sociaux pour vous servir de très loin, en suivant des cours bibliques par correspondance, parce qu'on donne que ce qu'on a. Moi-même, j'avais commencé ma vie chrétienne avec le cours biblique par correspondance Emmaüs, et voilà aujourd'hui, je suis là pour vous servir avec le cours biblique Réma. Que Dieu vous bénisse, et je vous appelle, mes bien-aimés, comme vous venez de vous en rendre compte avec les 7 branches d'activité du ministère Réma, je vous appelle à commencer à bénéficier de ces 7 ministères qui vont changer le cours de votre vie, et je crois que Dieu sera glorifié et vous comprendrez pourquoi Dieu vous a mis ici sur la terre. Ce n'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez libérer votre potentiel au maximum, aider les autres et vivre dans le succès. C'est ça la véritable réussite dans la vie de quelqu'un, et je crois que le ministère Réma est là pour vous servir et vous aider et faciliter à pouvoir y parvenir. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment votre bien-aimé, celui qui est le visionnaire, leader visionnaire du ministère Réma, Capitaine Antoine Mbombe Ministri, votre humble serviteur, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur, Capitaine Mbombe. Que Dieu vous bienvenue au ministère Réma, Antoine Capitaine Mbombe Ministri, qui vous présente son leader visionnaire, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur, Capitaine Mbombe. Aujourd'hui, je vous présente cette branche du ministère Réma parmi les 7 branches qui est l'école de formation biblique Réma. Cette branche qui est en train de former des leaders de qualité dont les nations et le monde ont besoin. Ce ministère est en train de former des ouvriers vertébrés, parce que vous savez, dans la Bible, on dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà, Dieu nous a fait cette grâce-là de former des leaders, des ouvriers vertébrés, des gens qui doivent communiquer la parole de Dieu, la bénédiction de l'éternel qui est enrichi. Et dans cette branche d'activité, vous savez, depuis le début du ministère Réma jusqu'à aujourd'hui, tel que vous êtes en train de me suivre en ce moment, même dans les réseaux sociaux, nous formons des leaders de personnes d'influence à la lumière de la parole de Dieu qui dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, ce que tu as reçu de moi, transmets-le aussi à des gens fidèles qui soient capables de les transmettre à d'autres. Il y a des gens, des milliers de personnes que nous avons déjà formées dans le ministère, et la preuve est que si vous regardez bien toutes les cérémonies de remise des diplômes, une fois que nous avons assuré la formation, les remises des diplômes de ceux qui ont suivi la formation, que ce soit au Palais du Peuple ici dans notre pays, la RD Congo, que ce soit au stade Tata Raphaël, que ce soit même dans notre centre de formation du perfectionnement des saints sur Bananiel numéro 34 dans la commune de Kassavubu, tel que vous en rendez compte, mes bien-aimés, croyez-les, Dieu a besoin des gens qui vont le représenter ici pour manifester son royaume sur la terre avec la bénédiction de l'éternel qui est enrichi. Et vous savez, la leçon principale que nous sommes en train d'exploiter dans cette branche d'activité, école de formation biblique Réma, comme aussi la toute dernière branche qui est le cours biblique par correspondance, parce que c'est la dernière branche qui était restée, voilà pourquoi aujourd'hui je ne peux que dire à Dieu, gloire à Dieu, parce qu'avec
les réseaux sociaux, nous pouvons interagir, interagir avec même les gens qui sont loin de chez nous ici à Kinshasa. Ils peuvent suivre les enseignements que nous sommes en train de donner. Et la base de ces enseignements, c'est sur la bénédiction de l'Éternel, comme Dieu l'avait prononcé une fois qu'il a créé l'homme au sixième jour. Et l'homme entrera au septième jour dans le repos de Dieu. Et Dieu dira ceci pour l'homme. Dieu leur bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la et dominez sur la terre. Et voilà les enseignements que nous donnons de la bénédiction de l'Éternel qui a commencé avec Adam et Ève dans les jardins et qui l'a poursuivi à Noé également et enfin à Abraham, celui qui a réellement saisi cette bénédiction et qui nous est parvenu en Christ et Jésus. Et voilà pourquoi je crois que mes bien-aimés, si vous bénéficiez de cette branche d'activité du ministère vraiment en tant que capitaine ou de ministrice, vous comprendrez pourquoi Dieu vous a mis ici sur la terre et vous allez commencer à libérer votre potentiel au maximum et aider les gens. Voilà, c'est de cette manière que vous aurez le succès que vous allez réussir. Voilà, c'est que la branche d'activité comme les formations bibliques réellement, comme aussi les cours bibliques par correspondance, parce que là, ce sera des cours que vous allez commencer à suivre et répondre aux questions et en même temps, commencer également à vous développer spirituellement, développer également émotionnellement sur le plan mental, comme aussi essayer un peu de vivre toujours en bonne santé physique. Vous savez, moi-même, j'avais commencé ma vie personnelle avec une cours biblique par correspondance Emmaüs à partir de l'Emmaüs avec le directeur Martin Védel. Et on donne que c'est qu'on a, c'est pourquoi moi aussi dans l'exercice de mon ministère, la toute dernière branche, c'est la branche cours biblique par correspondance. C'est cette branche-là que je mets également à votre disposition pour assurer également votre développement personnel, votre développement spirituel et pouvoir jouer votre rôle important pour lequel Dieu vous a mis ici sur la terre, c'est-à-dire que bénir les gens et apporter la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui nous a fait suivre notre chacun. Voilà ces branches du ministère humain que je viens de vous présenter et je crois que Dieu vous rendra la vie selon sa parole, cette parole qui dit que vous allez prospérer sur le plan matériel et financier, vous serez toujours en bonne santé physique, qu'on prospère l'état de votre âme. Félicitations déjà parce que vous allez faire partie de tous ces groupes de gens que vous voyez avec leur tenue après avoir suivi les cours et c'est le jour de la collation, c'est la joie et je crois que vous également, c'est Dieu qui va vraiment fêter là au ciel comme il voulait fêter avec Adam et Ève dans les jardins d'Éden, il le fera avec vous et la gloire reviendra à Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'était votre bien-aimé l'apôtre de Jésus, l'archevêque mentor proche, docteur Capitaine Mboumbé, qui vient de vous présenter les deux dernières branches du ministère Réma et toutes ces branches du ministère Réma 7, l'amour triomphe toujours, les abiens, réseau d'affaires du royaume, radio, télé, réseaux sociaux, bibliothèque librairie, publication chrétienne, réseau d'affaires du royaume. Et voilà, aujourd'hui, je viens de vous présenter l'école de formation du Migréma et le cours public par correspondance. Et Dieu vous bénisse et qu'il vous rende la vie selon sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà mes bien-aimés, je suis en train de vous présenter maintenant une des branches du ministère Réma Capitaine Antoine Mboumbé Ministries. Une des branches la plus influente, Liba les Abiens, le mariage est bon. Pourquoi Liba les Abiens, le mariage est bon? C'est à la lumière de la parole de Dieu dans Genèse 18, où la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et dans Genèse 2:24, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà pourquoi Dieu, par sa grâce et dans sa miséricorde, il a fait que moi je puisse parler de ce domaine-là, Liba les Abiens, non pas parce que, je ne sais pas, moi je dis tout simplement c'était par la grâce de Dieu, parce que c'est aussi un don, comme la Bible le dit qu'à chacun peut-être on a donné le don du célibat, ou bien peut-être le don du mariage, et pour moi c'est le don du mariage parce que peut-être je croyais peut-être ne pas me marier parce que vous savez le mariage... parler des femmes pour moi, c'était des choses que je n'aimais pas quand j'ai grandissais. Mais voilà que cette personne-là qui ne voulait pas vraiment parler un peu, qu'on lui parle un peu de filles et de femmes, et voilà celui-là qui s'est marié et qui aujourd'hui est en train de partager ce domaine-là le plus important dans la vie de quelqu'un, le mariage, Liba les Abiens. Et je l'ai dit non pas seulement parce que c'est un slogan, c'est parce que, comme on le dit toujours, on donne ce qu'on a. Et moi-même, je suis en train de vivre dans un mariage heureux, uni par Dieu, dans l'amour de Dieu. Parce que la base du mariage, c'est l'amour de Dieu.
cet amour qui ne périt jamais, cet amour qui triomphe toujours, comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Et voilà que depuis que je me suis marié avec ma charmante épouse chérie Adolphine, le 31 mai 1986, et jour pour jour, voilà le 31 mai 2017 ici, nous avons fêté les 31 ans de notre vie conjugale, et Dieu nous a fait grâce et nous a bénis avec 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. Et aujourd'hui, comme je suis en train de parler, Dieu nous a fait grâce aussi d'avoir un petit-fils qui j'appelle Joël Capitao Kokondoi. Et voilà un peu toutes ces choses-là, ça fait du bien parce que je suis en train moi-même d'expérimenter un mariage heureux, uni par Dieu dans l'amour. Et voilà pourquoi je parle du Liba les Abiens. Et vous savez, beaucoup de gens me connaissent par Liba les Abiens, bien que je suis pasteur. Et je crois que vous allez commencer à suivre cette rubrique Liba les Abiens de ce ministère Capitaine Antoine Mboumé Ministries. Et je crois que vous vivrez aussi un mariage heureux, comme moi je suis en train de le vivre avec ma charmante épouse, chérie Adolphine, comme on dit. Si cela s'est fait pour nous, pourquoi cela ne peut pas aussi se faire pour vous? Que Dieu vous bénisse. Passez aussi des bons moments ensemble dans votre vie conjugale. Bienvenue à la branche d'activité librairie, publication chrétienne, ici sur l'immeuble Massamouna au deuxième niveau. Une des branches du ministère est ma capitale Antoine Mbombe Ministries, dont je suis en train de vous présenter tout à l'heure. Et je crois que vous vous rendez déjà compte avec ce message qui vous accueille et qui nous dit, vous serez la même personne que vous êtes aujourd'hui dans 5 ans, excepté deux choses, les livres que vous lisez. Les livres que vous lisez, ce sont ces livres que vous êtes en train de voir sur le rayon ici. Et si vous venez dans notre bibliothèque, ce sont ces livres que vous allez commencer à lire pour assurer votre développement personnel. Et vous savez, on dit que les grands leaders, ce sont des grands lecteurs. Et si vous voulez devenir un grand leader, comme votre mentor, coach Dr. Capitaine Mbombe, commencez à lire des livres comme ces livres que j'ai mis à la disposition du public ici au deuxième niveau de l'immeuble Massamouna sur le croisement Kassavu numéro 64 et Gambela. Comme aussi, vous voyez derrière moi aussi, toutes les bandes vidéo, les bandes audio, les bandes que vous voyez maintenant ici, les bandes de tous mes enseignements que j'ai donné à la radio, à la télévision, toutes les radios qui m'ont vu donner ces enseignements, soit à la RTMV, à la RTNC, comme aussi dans d'autres chaînes d'activité. Donc, nous sommes dans cette bibliothèque et moi, je crois que, comme vous en rendez compte, il n'y a pas que de bandes de vidéos, il y a également des cassettes. Si nous tournons de l'autre côté, vous verrez, il y a également des cassettes de tous les enseignements que j'ai donnés à la radio, à la télévision, à l'église. Vraiment, l'amour triomphe toujours. Et je crois que, mes bien-aimés, le moment est arrivé et je vous invite à venir rendre visite à notre bibliothèque, librairie et publication. Quand je parle de publication chrétienne, parce que nous sortons également notre revue ici, notre hebdo de chaque semaine, le rémiste de tous mes enseignements que je donne à l'église. Et vous voyez ce rémiste ici, ça c'est la publication chrétienne. Comme aussi vous voyez également cet élément qui vous montre comment devenir millionnaire. Donc tout ça, ce sont des publications que nous sommes en train de vous fournir dans notre librairie Réma, ici au niveau de la bibliothèque, et toutes ces choses, vous pouvez les trouver ici. Et je crois que si aujourd'hui on vous voit comme nous venons de lire cette pensée, dans 5 ans, vous serez une autre personne. Et en même temps, je crois que les gens vont commencer à vous suivre. Et voilà, mes bien-aimés, je vous aime beaucoup. Et je crois que je vous invite à venir consulter les livres dans cette bibliothèque et pourquoi pas commander d'autres cassettes vidéo audio qui vont assurer votre développement personnel. C'était vraiment cette branche du ministère Emma, librairie, publication chrétienne et bibliothèque Emma, comme vous venez de vous en rendre compte. Les bons lecteurs, ce sont des grands leaders. Et je crois que vous l'êtes déjà au travers de cette branche d'activité Réma. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue au ministère Réma, Antoine Capitaine Mbombe Ministries, ce ministère qui est dirigé par votre humble serviteur, celui qui vous présente ce ministère. Aujourd'hui, la branche Réunion d'affaires du Royaume, c'est
branche du ministère REMA qui forme des entrepreneurs, des personnes qui sont appelées à créer un système, et ce système qui va permettre à ce que les gens puissent trouver de l'emploi et en même temps créer de la richesse dans la nation là où se trouvent ces entrepreneurs, et en même temps contribuer également à l'avancement du royaume de Dieu, c'est-à-dire devenir investisseur du royaume. Or, un investisseur du royaume, c'est celui pour qui l'argent est en train de travailler. Alors, pour que l'argent commence à travailler pour vous, il faut d'abord devenir un entrepreneur, celui qui a créé son entreprise, il est devenu son propre patron, et une fois qu'il a créé son entreprise, les gens viendront travailler, il va créer de l'emploi et en même temps créer de la richesse, contribuer au développement de son pays, là où Dieu l'a mis, et en même temps devenir aussi, comme je l'ai dit, investisseur du royaume, celui qui doit investir l'argent pour faire avancer le royaume de Dieu, afin de gagner des âmes, afin que nous puissions agrandir le royaume de Dieu, parce que vous savez, pour le moment, il y a au moins 7 milliards d'habitants, et il n'y a pas plus de 4 milliards de gens qui sont déjà sauvés, et voilà pourquoi nous sommes appelés à contribuer à l'avancement du royaume de Dieu en gagnant des âmes, parce qu'une âme humaine a de la valeur aux yeux de Dieu, parce qu'une âme humaine a sa valeur, représente toutes les ressources du monde mises ensemble. Voilà pourquoi la branche Réunion d'affaires du Royaume, une des branches parmi les 7 branches du ministère REMA, vous forme comme entrepreneur, et je crois que comme vous êtes en train de nous suivre, vous ne manquerez pas chaque fois de bénéficier du bénéfice de ce ministère, pour que là où vous êtes également, on puisse aussi compter sur vous, parce que ce n'est pas pour rien que Dieu vous a mis ici sur la terre, il compte sur vous pour que vous puissiez également être une bénédiction pour les autres, parce que vous savez, Dieu, la première chose qu'il a prononcée quand il a créé l'homme, c'était de dire Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur toute la terre. Donc nous sommes appelés à dominer quand nous devenons des entrepreneurs, et quand nous créons de la richesse, et quand nous résorbons le chômage, et quand nous sommes en train de créer des actifs qui vont générer du cash flow et en même temps contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Voilà l'objectif de ces grands, cette grande branche, le réunion d'affaires du royaume, du ministère Réma Antoine Capitan Mboum des Ministries, qui vient de vous présenter son humble serviteur et leader visionnaire de ce ministère, Antoine Capitan Mboum, l'archevêque, l'apôtre de Jésus, les professeurs motivateurs. Bienvenue au ministère Réma Capitan Antoine Mboum des Ministries, ce qui vous présente une des différentes activités qui est la branche radio, télé et réseaux sociaux. Pourquoi cette branche? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes appelés à évangéliser. Et la parole de Dieu nous dit dans Marc 16, 15, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et vous savez, pour y aller, il faut avoir des moyens. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons prospères. Et voilà aussi, aujourd'hui, avec l'aide de l'information, nous en profitons pour servir le plus grand nombre de gens en un rien de temps. Et c'est là, au travers de ces réseaux, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, comme aussi les réseaux sociaux. Et au niveau de la radio, vous savez, notre branche a cette grâce-là de servir les gens depuis plusieurs années à la radio que nous appelons radio RTAE, où nous donnons la méditation publique chaque matin, de lundi à samedi, de 6h à 6h30, de 6h à 6h45, et à la télévision satellitaire, à la RTVS1, où les gens nous suivent chaque dimanche en direct à partir des 5h45, l'heure de Kinshasa ici, dans notre émission La Voix Triomphante, et cette émission passe chaque dimanche en direct à partir de 5h45, et la rediffusion de cette émission c'est chaque mardi à partir de 0h45. Et au niveau des réseaux sociaux, vous savez, nous sommes en train de vous servir au travers du Facebook, au niveau également des réseaux sociaux comme aujourd'hui YouTube, avec tous nos enseignements que nous donnons au niveau de l'Église, le Réma, l'amour triomphe toujours, comme aussi toutes les interventions que nous sommes en train de faire pour servir les gens au niveau de ces réseaux sociaux, même au niveau des overblocks avec des écrits que nous sommes en train, nos publications que nous sommes en train de vous servir. Et voilà pourquoi aujourd'hui je vous parle de cette branche d'activité au niveau du ministère Réma qui va commencer vraiment à vous servir au travers de la radio, la télévision, comme aussi les réseaux sociaux. Et vous pouvez suivre même nos émissions, même nos prédications au niveau de l'Église en direct, en live, sur Facebook ou comme aussi sur YouTube. Et je crois que vous ne serez jamais déçus. Vous allez relever votre tête. Dieu vous bénira.
parce que ce sont des messages très profonds. Et je crois que mes bien-aimés, c'est ça vraiment ce que je voulais vous parler de cette grande activité radio, télévision et réseaux sociaux. Et je vous invite à vous abonner à cette branche d'activité du ministère EMA, radio, télé, réseaux sociaux. Et je crois que Dieu vous rendra la vie selon la parole de EMA que vous allez recevoir, comme la Bible nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà la présentation que je voulais faire de cette branche importante, radio, télé et réseaux sociaux, parce que nous sommes à l'heure de l'information et on dit, plus vous servez les gens, plus vous devenez efficace. Et je crois que c'est le mot par lequel moi je termine mon message ici. Et je crois que vous allez attirer, vous allez inviter beaucoup de gens qui vont commencer à suivre vraiment cette grande activité. Et Dieu sera bien aussi. Que Dieu vous bénisse, c'était votre bien-aimé. L'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur, capitaine, bombier, professeur, motivateur. Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, Bandeko Balandiba fidèle, téléspectateurs, téléspectatrices, à peu près 25 minutes, il y a présentation, il y a ministère Réma Capital Antoine Mbombe Ministries, ministère et Pambola Kabino, Peso Pambola Bino, dans les 7 branches d'activité, où on a aussi présenté Bino Liboso, avant d'aller intervenir, Namokolo Nalelo, Naeyenga Yalelo, et nga kitoko onzamba pesibiso pe ay bandeli ya sanza oyo ya mois d'août 2017 ndenge bozali na ngai en direct na tango oyo na RTVS un satellitaire ndenge bolanda nga tongo nyonso tout chaque dimanche à partir à 5h45 ndenge pelelo et bandaki na tango wana pe rediffusion à émission ezalaka chaque mardi na 0h45, chaque mardi na 0h45, alors que direct, ils ont la canne d'engue bozola nangai na tango oyo. Pe bandeko nyo surtout boza en relais na radio RTI, la chaîne qui change la figure du monde, où ils ont la fréquence 94.5 na tango yo nandimi ke binopi bolandi ba branche nyo sotu ya ministère Ema Capitaine Antoine Mbombe Ministries, cette branche ko bandali boso na radio télévision réseaux sociaux o ya suka d'ailleurs kutuba utiko présenté et landi o ezali liba lesa bien le mariage est bon motona chérie na ndenge na lobaka pinga na chérie na Adolphine ya solo na pesi mbote na tango oyo azali ko landangai en direct ici kazali pena bana oyo ya biso nzambe asila ko yeba ko pesa biso bana 6 mobimba 4 ya basi pe mibale ya mibali pe na petit fils nangai oyo tango nyoso na pesa kambote kokondoi Joel Capitao. Voilà mes bien-aimés, troisième branche, église Réma l'amour triomphe toujours. Cette grande église oyo naza ko invité yo ngozola nangai na tango oyo oya na ba culte na biso lokola lelo dimanche, premier culte de 7h à 9h30 on a des culte na biso ya liboso pe de 9h30 à 11h on a déjà deuxième culte, mais spécialement lelo ndenge naza koloba tozaka na culte moko parce que zali culte ya famille on a koyeba ko bondela pour être à solo ba famille ba yeba que jardin d'Eden et même ta bazala ki ba bingana ki bango na jardin wana nzambe zaki pona mayele nyo surtout oyo alingai ko protéger moto pour être azala moto moko atikalite ya libera na libela moto ya masumu pour être a désobéissaki a rejetaki liloba na nzambe et moyini satan alingaki nde asimba na arbre de vie alors à ce moment là ngao zala danger. Voilà pourquoi nzamba lingaka famille zeki zaki Adam na Eve avant baye bakolia oyezali mbuma ekinda ki na Noé famille na epe lolenge moko délige yaki ndenge nzambe ya solo alingaki tamo na mokile continue toujours na bapasi apona ki libota wana bien ke bango pe lisusu lipamboli na nzambe wana yango kokisama kate na nzela na bango me eyaki kokokisama na nzela ya Abraham oyo ya solo na nzela Abraham descendance héritier Yesu Christo ayaki pour ete ngai na yo toyamba Yesu Christo
tokota na lipamboli oyo nzamba sila ikoyeba ko pambola moto tango akila ki na fin ya 6e jour akota ki na repo ya nzambe na 7e jour nzamba lobaki Dieu les bénit et leur dit soyez féconds multipliez remplissez la terre assujettissez la et dominer. Amen. Voilà pourquoi ce qu'on a rêvé, l'amour triomphe toujours. N'ayez pas le bille, les alliés en famille. Et bon, et puis, les lots, nazo le belabino nzamba pambola ki moto, ce qui fait que yo soki yo ebi ke nzamba pambola ki yo tant yo zo kutana na bato yo nde meme la bango li pamboli lokola pasteur capitaine Mbombe kolobare ma l'archevêque na meme la kabino li pamboli e bomoni ba li pambola ngoza na ba facette belé 7 branches mobimba d'activité o na uti kolobashiko yo ya misato église re malamu triomphe toujours na banalia numéro 34 na commune à Kasavubu soki outi ba côté ya banjili victoire okoya boye alors à ce moment là na coin ya avenue Kasavubu na Gambela premier deuxième troisième parcelle wanande pardon troisième rue wanande commune à Banalia na coin ya Gambela premier deuxième parcelle numéro 34 commune so outi côté ya Wenze ya Gambela na rond-point à force aux Matabwe à partir à rond-point force je crois Siri Mopimba et na coin ya Gambela soko komiwana croisement avenue Gambela na Banalia premier deuxième parcelle numéro 34 et par oya kozwa ba rema na koloba rema pe na ba multiple facette ya ba branche d'activité le kola o ezali église rema la mont triomphe toujours quatrième branche ezali école de formation publique rema on a zo formé ba leader de qualité de personnes d'influence parce que ngamo na za leader une personne d'influence ndenge yo moko se rendre compte nango et je crois que mon kolo ya mardi o yuta ko le mercredi o yuta ko le 2 août 2017 mardi ya semaine ndenge na zo babo aussi là les 2 août et là qui mercredi les 2 août na 17h na bandaki école de formation publique Rema où ils ont formé bah leader de qualité des personnes d'influence où esengeli bah ils vont influencer puis batomosusu na mokili et pas nyoso tout nzambe akoye bako tchabango cinquième branche d'activité na biso Ezali bibliothèque, librairie et publication chrétienne. Bon, mon union surtout dans la Kisibino yango. Oyo bibliothèque sur mon micro yana bureau oyangaï croisement veni Kasavubu numéro 64 Nagambela immeuble Masamu na deuxième niveau et pas bibliothèque Ezali okotanga ba livre ba maté ananga nyoso surtout ba vidéo plus de 3000 vidéos plus de 7000 bandes cassettes et ba DVD kutu et belé aba mater nyo surtout na radio na rema ba séminaire nyo surtout na sala ezawana ko yiko commander po ozo ba mater ya kitoko voilà o ezali branche na biso bibliothèque librairie et publication chrétienne tant na lobi publication chrétienne parce que na bim sera toujours ba mater ya o ezali yangai pe ba mater wana bato balanda reza lokola o ndenge ozo mona eza mater ya mokolo na lelo na côté en église ils ont un thème alliance de bénédiction grâce à la dîme où ils allient alliance bolongani il y a l'ipamboli maintenant ils allent à Mokonazomi où ils allient dîme ils arrêtent ils supportent on a mis à la disposition à bateau pour pas qu'ils ne coassurent propre développement là bas pour qu'on ait une église matin et côté à ibimi pour n'importe où comprendre de l'autre côté mais ceux qui supportent au kende pour assurer où ils allent propre développement là haut parce que nous mon azali moto na tanga kamingi propre développement nanga na iba coassurer en haut et sixième branche d'activité réunion d'affaires du royaume on a zo formé ba entrepreneur ba PDG ba propre affaire na bango pourquoi pas yo mon poko iko comme PDG ba propre affaire na yo au comme entrepreneur parce que ngai moko d'abord bozomo naza ko laksa déjà entrepreneuriat parce que premièrement naza entreprise o ezali société.com www.capitalmbombeministries on a site internet on a invité yo ndeko sur kotika na page na ya Facebook Capital Mbombe komaka Capital Mbombe sikoyo au côté internet au côté na Facebook au comment on appelle lien oyo na chakawana ezali ya site internet www.capitalministries.org soko cliquer au côté wana voilà au kutana la l'entrepreneur société.com le ko la Jeff Bezos a bandaka bungo na ezali librairie virtuelle pe talalelo lelo
même dans le mois de juillet, awa, dans le mois de quelques heures, à comment l'homme le plus riche du monde, bien que Bill Gates ait récupéré en haut, parce que l'action na été en haut, et il y a eu le cas, mais pourquoi il y a eu chité, Bill Gates a récupéré, et voilà. Abanda tout simplement à société.com. Oyongaipe, en tant qu'entrepreneur, nazoué bako servir et belé na batona les 7 branches d'activité au Ezali à ministère Réma. Et la toute dernière branche, Ezali cours biblique par correspondance. Je crois que le quoi en Abanda qui, au Ezali, bah, y a solo, bah, école de formation biblique et Réma, pour former bah, leader, je crois que premier cours biblique, on appelle ça Kizaki à page Moko, mercredi le 2 août 2017. Et Maté en haut, thème n'a pas vivre dans la bénédiction, c'est la volonté de Dieu pour vous. Koye bako ou melana ou ezali li pamboli, eza mokano na nzambe pona yo. Alo bakouro na zo bimisa, pe na zo teya, na ba ou bazali ba leader, ba ou bazo ya Rolanda ba formation, yo pour ou ya Rolanda formation, chaque mercredi à partir à 17h. Alo bakouro nde, yangonde za offert obligé pe ya bakour biblique par correspondance, na za retour na ba question, réponse, bozo répondre, pe na nzela ya, ya ou ezali YouTube, soko komi abonné ou ezali Nangai et pas une azarotiamo pe na site internet nangai na partie ezali ya branche cours biblique par correspondance sur lingo zoango il faut qu'on m'abonne alors à ce moment là bakourana ozako répondre pour être oyé bako se développer pour être à solo ou assurer pe développement personnel nayo ou comme moto ezali le plus important. Donc voilà un peu le site branche d'activité à ministère Réma pe na lingina loba tout simplement parce que nazako intervenir na terre li loba na nzambe na tangi li loba na nzambe na mokanda ya 1 Jean chapitre donc premier épître ya Jean na oyo ezali ya solo chapitre 5 verset 4 et le binabiso boye 1 Jean chapitre 5 verset 4 et le binabiso na tangi pona bino parce que tout ce qui est né du tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe de ce monde c'est notre foi pour union se tue botami a nzambe ezana ba ilonga monene na oyo ezali mokili pe elonga oyo ya solo elongo tozali nango na oyo ezali ya mokili ezali nde kondima na biso. Amen. La victoire qui triomphe de ce monde c'est notre foi. Voilà pourquoi lelo nazo informe yo parce que na ba ki branche moko ya ministère Réma ndenge bozola nanga bosiko en relais na radio RTAE bato bazola nangai na le bibien radio en relais RTAE na 94.5 MHz. Je crois que baro bazola na bozo kanga bien ndenge pe bozola na na télévision en direct ne bozo mona na RTVS 1 satellitaire et pa inazali na tango o nazo pe sabino barema mais na ceux qui pe wana te parce que tozana l'heure de l'information. Voilà pourquoi pour na servir bateau musika lisusu ya mingi c'est pourquoi na za pe na ba réseaux sociaux le kola na Facebook compé na chaîne o ezali ya YouTube. Na promettre yo lelo. D'abord, na 8h oyo ya tongo ya lelo, nengozola nangai, lana mate ya nangai yo na kote ya na église, yore malamo triomphe toujours, na banali ya numéro 34, na komi na Kasavubu. Eza loza na États-Unis, oza na Asie, oza wapi na Europe, oza soki wapi na peyini na Afrique, oza na Luanda, na Angola, partout, na Gabon, ainsi de suite, landa kolo ba Réma, parce que eza moko pe ya ba branche ya ministère Réma. Amen. Tandis que pour la première fois, na bandi émission moko oyo ezali na chaîne ya YouTube eko banda lelo na 19h30 kaka lelo dimanche oyo ozola nangai dimanche le 6 août 2017 ndenge nazali en direct 19h30 alors émission ana pe kozala ba intervention nangai ezaka intitulé na émission moko na YouTube kombo nango la foi triomphante. Awa tuzana la voix mongongo ya belonga minene c'est pourquoi ozo ka mongongo wana oya bien et sala kayo bien et pambola kayo tongonyo surtout mais oyo na kobanda na YouTube bato bazola nangai partout et na luk, na singi yoka tout simplement luka ozala na boîte email na yo mais boîte wana ezala ya gmail.com ou créer une mot ya boîte ya gmail.com pour vous permettre ceux qui côté na YouTube et pas comme s'abonner après tant vous cliquez au comme abonner à ce moment-là ndeko okolanda ba mate ya wana bien ndenge nazo inaugurer yango na mokolo na lelo
Mokolo ya dimanche lelo na 19h30 heure ya Kinshasa. Je crois que ceux qui ont ba Paris kuna et wana je crois bango za ba 18h ba ko yikolanda ceux qui na ba États-Unis na ba heure wana na ceux qui bango za na ba ceux qui 16h ceux qui ba heure nini o ba kolanda en direct kolobarema na YouTube pour être à solo te ba ko communiquer bino le bana nzambe pe émission ne kozala intitulé la foi na le bien la foi triomphante parce que ba bino biso la victoire qui triomphe de ce monde c'est notre foi kondima o ezali koyeba kolongisa biso na mokili oyo ezali kondima na biso kondimo yaka na koyoka koyoka le bana nzambe lokola na tango ezali koyoka ngonenge Romains chapitre 10 verset 17 le bina biso vous savez mes bien-aimés en donnant libre cours à votre foi par les paroles qui sortent de votre bouche, vous allez remporter la victoire sur le monde. Amen. Tant aux opesa nzela na maloba, c'est-à-dire aux opesa nzela na kondima na yo, ndenge ozozo yango sikoyo, mais kondima wana ya jisaka na maloba, pe ya jisaka pe na kobondela, mais même to bondeli so na nozui, réponse te ozo continuer koloba parce que oto lobaka, eko kisamaka. Alors so opesa libre cours na kondima na maloba zo bima, okozala ni longa na o ezali mokili oyo, mokili koyeba, ko prendre le dossier pa ina yote, okoloba ki ya solo, ngai naza na mokili o, menaza ya mokili o te, po na yebi, kozala moto ya botami ya nzambe na yamba yesu lokola mokonzi pe mopikisi pe naza citoyen ya lola on azo represente bokonzi na nzambe awana se amen donc voilà na pesio déjà rendez-vous d'abord na tongo ya lelo 8h en relais YouTube okola na mate ya nangai on a le bi que ya solo mate ya neza na thème alliance ya bénédiction grâce ya o ezali moko na zomi parce que lelo bate bele bazwa ba mbongo mais ba pesa ka dimte alors que yo kanga bien amen na kolobare mana kotika la bino tango ba mama moko boye ba ko benga pe je crois que bo pambolama boye bi nzambe tanga pamboli moto tango akilaki d'abord moto na fin a 6e jour a koti na repo ya nzambe na 7e jour et nzambe alobai maloba oyo Dieu les bénit nzambe pamboli bango pe alobi soyez féconds multipliez remplissez la terre assujettissez-la et dominez sur la terre amen. Donc lipamboli nzamba loba liboso wana. Liza même lipamboli oyo ti lelo ninga na zolo baboye yango na pe yo poza na yango. Mina comprendre atende ni batu bakotaka makambo nzambi ka bamuna ba malédiction bamuna ga diabolo bamuna ga satana oli bamuna ga lipamboli ezali en tempé. Voilà pourquoi en tant que l'apôtre de Jésus et singuli to recadrer makambo même na kati ya église corps de Christ. Amen. Parce que tant nzamba lobi lipamboli wana sikoyo et après nzamba tchaki moto na jardin à partir à jardin wana kitoko apesi bango lakisi bango bolingo lobi pe bino pe bolakisa bolingo na boto si boli nzeto ya boyebi ya malamu na mabete mais mokolo moto alia ki nzeto ya boyebi ya malamu na o ezali ya mabe ayebai ko commettre o babengi la haute trahison parce que a négligé ki lo bana nzambe a rejeta ki lo bana nzambe na ndenga ayebai ko lia mbuma wana. Et nzamba ayebai ko bannir moto na jardin wana oyo ezalaki bisika wana parce que alingaki te ayeba ko simba na oyo ezali arbre de vie parce que so ameyi ko simba ango moto wana alingaki ko vivre libela na libela mais pe na lisumu libela na libela separe na nzambe or moyini satan oyo ayako kosa mwasi pe aseduire ye après alie mbuma ye kopesa mobali na ye adam alors ke adam tozwaki autorité ako yaki kolia yango te mais akomettre haute trahison et voilà pourquoi tango aliaka mbuma wana maloba na ikoma ki empoisonné et ce qui fait que diable lelo a empoisonné maloba ya bato po baloba ka toujours o ezali ya diable ba problème o lié ba lobe la ka bénédiction nzamba lobe la ki moto parce que nzamba tanga ki la ki moto bandeko et loko ezali ya moto e singeli to e ba ko sosola ezali que nzambe ayeba iko chakati na moto capacité ya kopona o ezali propre maloba na ye pe azala pe ko lobe lango na volonté na ndenga lingi. Or, ils allaient qui pour n'avoir ange bon côté. C'est pourquoi mon ami que Lucifer, oh yo mokolo aloba qui non, j'ai leverai mon trône na oh ils allaient les couleurs étoiles. Le col azala qui n'a ma coquille à koloba maloba ya yemoko à koloba kaka oh nzamba lobi parce que azala qui n'a droit à kosa les langote azala qui expulsé du ciel parce que maloba ya nzamba écoute n'anga oh ya e abenga na na ba benga na na le colon na entier ba ange ba komi ba ange déchi ndenge
yé ayako se retrouver sur un jardin pour ayeba koko samoto. Voilà pourquoi ndeko na vina yo il faut yeba que bénédiction nzambe ze pa inayo pour bénir batemususu ya mona nga na ba kitana na ilelo awa talaga tongonyo surtout na bimaka pour na ya na pisa bino barema parce que naza ko yeba côté ya batu pour na koloba na bango que ya solo ndeko sengelo koma lipamboli pour na batemususu. Soyez en bénédiction aux autres. Vous devez être béni pour être une source de bénédiction. Seigneur, le pambola ma pose à la source y a bénédiction pour n'abattre monsieur. Le yoga abattu zara, pambola, mais pas y a sa bénédiction pour n'abattre monsieur. Tout le monde a kangote. Mais si vous donnez de votre temps, le kolangai temps on a zopé ça. Si vous donnez de votre argent, talaga bambo on a pé ça kakoli kanaba mission au union se tuez à bambo. Boedi, né na lobi cette branche d'activité, banana loba, nana mona moto moto na télévision, même na radio, pasteur capital, nengi na ye, vraiment, démission, talaga ba cette branche, nengi zo pambola batu. Talande ni to pambola batu. Mou mona batu, po ba pesa bambo, na bango eza passi, na mona moto te a ye, pasteur, zo boe po na émission, nengi zo leka. A part na rema na église ou yangaï, parce que kuna na enseigneur à bango, pour etéba, iba ko pambola ma, et façon ko pambola ma, nengi nzamba lobi, donné, il vous sera donné, ba pesa. Mais na télévision, nengi bozo la nangaï, en direct, eza la na radio, na mona te, nengi na leka. Bien que naza ko lobi la boe. Mais nga mou kolonu su na pambola kapo, nga neb na bim salamo, talaga même na ba site internet, ce qui vous. Naza connecté même na ba YouTube car semaine e youtube le kana bosana ikutu ke connection na ngai il a fallu na futa na bosana ki na ba mo ba kata nga mo interruption donc il nga osala ki tam sur lelo direct wana nga ko sana ngote main na kamati na bibi supe ka mbongo na pesi poete na servir batu ba yo kalilo bala nzambe mais yo ne mtozo pambola manango yo tam so yeba ko pesa tis. Voilà pourquoi nazo lo bandeko nzambe sa pambola yo me makali pambole pa ina bato ndenge zo mona pasteur capital Mbombe boye bi même ta lelo na église pa ina ngai nazala terrain na ngai ya bilanga e pa ipe ne na nalaksaka maila ba entrepreneuria bonga mona inde ko sala te na créer système zo sala pe bato musu bazo sala kuna bazo na ba mbongo et après ngai so ba yelinga ba biloko lokola ba yela ngai il a fallu ba yelanga ba sak ya ngu ba ebele mais na regretter que peut-être ba yelinga kaka soki moko kaka soki moko ka ya pamba. Alors que na prometta ki pe bandimi bon mukolo bangu bananga yo ya a part on a roté ka pi na longoli dim na na pesi en même temps mususu wana na kokabula na bandimi mais le kola ba yelinga ka moko alors que ngana za okanse yo ta musu ba 5 bon ba epi suna ba tomate ba blo andenga na o ya ngu ba lelo ne na lo ban direct na kokabula ngodo da yo na lo bitu ti na moko na te ka ngote otami na na kaba na pambula batu donc lelo na remande na zolo baboye so na tali bakambi mutana muta ozwa mwa sachet na ye ba bungiselier ba ko kabela bango e uti na bilanga na ngai ça c'est la vérité ça je le dis amen zo pesa na ngai il faut bénir nzamba pambula ki so poto me ma bénédiction ça c'est la vérité amen donc lelo na rema ba kambino surtout dainga mo kutu tongoni surtout na melati na ngai na mbela ngona nguba. Voilà. Donc les lopes na okabola. Oui, outi na bilanga nanga kuna na maluku kota kinga kati bakaboli. Donc ba rozonga e kozala kitoko ya. Ça c'est la vérité. Non, na zo ba biloko a théorité. Donc so mutumo ningo chatembe. Yaka ro ya mona ona rema lelo na banali ya numéro 34 pasteur capital bandimi ba rozonga na mwa ba sachet. Bon, bien sûr que na ntego ya ebele po e servir bandimi surtout, mais na monete au servir ba tunyo surtout te po ba bongisa ya ona chérie na Adolphine. Na belle sœur Nangaï Seraki, le bina moi et bazaro bongisa pour te servir bateau. C'est ça la vie, mes bien-aimés. Naïba te bateau, pourquoi Bouboumba Bambongo, Bolinko Salé en haute pour Namoussalanzambe, alors que Tamsu Bozolanda, Bapamboula Kabato. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a béni? Pour être une source aussi de bénédiction pour les autres. Ça, c'est la vérité. Amen. 099 379 79. 099 99 379, 089 555 7042, 089 555 7042, 081 812 0092, 081 812 0092. Je crois qu'il y a pareil Moussouana Barouye Langa et Paiba numéro Anezali déjà na 099 99 sur Bengi Naza en direct na coupé sa yano. Ndeko nzamba pambola ki motopo et au même pambole pa bat Moussous. Ou manifester gloire à Nzambe et pas Nzambe Tchéo, Ezala Moussala, Ezala Nazando, Ezala Bissika Nistoko Yigoyeba Kozala. Mais Kozala te yo karabalu karabapambula kayo, mais yo koma source ya bénédiction pour na bato Moussousou,
tala pasteur capitaine na les 7 branches d'activité na ra pasteur en église té na branche moko église na zotea mais tala particularité liba les abiens tala oezali ya solo bibliothèque bato batangaka parce que le grand leader ce sont des grands lecteurs bato belelo batangaka té. Alors voilà pourquoi il faut yeba ko se développer voilà ba branche loko la oezali réunion d'affaires du royaume ko former ba entrepreneur ba créer ba système tala nga na bilanga ngana kindate mais so ba bina ko bimsa mbongo bato basala kuna ba pesa ba ngoba suis donc bazo gagner pe vie na ba ngoba partir ya système on a ke ezali bilanga et après bazo ila ba produit o yangai et puis tant on a joué na kabula lelo fête za tala ka mko na sai fête na église na juga ba mbono so na bengi ba ndivini so ba yeba sepel na ngai 58 ans d'âge na ngai voilà ba ndeko ça c'est la vérité nazana bino en direct na lingina mo na soki yo pe o zone di make Nzambe sa pambola yo senge mema li pamboli. Koza la kate loko la batu mususu. Oye bi diable aeba ko tordre. Yesu ape sa principe mon a Marc 11, 23, 24. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il aura ce qu'il dit. En vérité, je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc Yesu alors, tout simplement que tout ce que vous dites, même en priant, s'accomplira. Au nous tous au loba, même na kobonde la ekoko kisama. Mais si le diable a ça la ndingi nini, le kola ndinga e ko empoisonné ma loba ya moto na jardin d'Eden tangwali ya kimbuma, alors que nzamba pesa ki autorité pour étayer na autorité wana azana pouvoir ya koyeba ko loba pe na volonté na nous surtout a loba likambo ko iko loba, a ko iko linga ko sala loko comme pa ko iko linga ko sala ngote, azana volonté wana nzamba kilaki et c'est pourquoi nzamba kilaki genre arbre à connaissance ya bien à mal ou arbre à bénédiction à malédiction, arbre à bénédiction à calamité. Et voilà pourquoi diable est envoyé au cours sa moto. Alinga regarde tout simplement moto na malubana, luba na malubaya ma b, luba kaba problème. Oli a luba kao ezali tamususu, ba réponse ezali ndeli luba na nzambe, nzambe a sali biya sa pambula yo. Me yo mkoninso, makamulange tambula rate, o boi na boi, a ba ope ba terre, atang baza abon ba biya, o mwen atena vina yo, likambo ezali, voilà pourquoi ya kato bonde la pon na yo ainsi de suite. Bozo la kisaka ba tu ba problème ba luba ma b. Et bato ba lobaka ma bemingi tan bazolo ba problème na bango yo bazo e bateke diable mtazo tordre mama loba oyo bango e singela e baloba malam pona bolam na bango mais e bongwani siko ma be pona bango mo parce que bazo e bakoloba ma be ce que vous dites même en priant ça complira yesu mtaloba kango za principe mais siko yo loba ni yo ko talaka ba mikolo nega ba mbonge mataki mwana pesa dim na offrande ya te voilà pourquoi tikala na ba pauvreté parce que yo je dépendre na ba taux d'échange te so zo luka bokonde na nzambe na boyenge mina nzambe tout le reste vous sera donné par dessus tout ça c'est la vérité. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tous ça, citoyens, là où tous ont représenté beaucoup de l'ensemble, c'est pourquoi tous ont même ma bénédiction, pas ibisonne sur tous ali. Ça, c'est la vérité. Amen. 099 99 370 79 089 555 70 42 081 812 00 92. Je crois que pasteur Eli, pasteur Église Réma, l'amour triomphe toujours en Luanda. Na lobagi na yo benganga ile lopo yo moko pe sa adresse c'est pas église ezali pe bato baya pe wana ba sepela koye ba ko pambola pe ministère wana po ete e pambola ka ba ona ba télévision de bola na musika ba pambola pe église yo tozo nga ko implanter kuna ba besoin bozana ngo Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ asimbaka mité ma bato na lobagi benganga na zan direct na za kozela au pe sa adresse église ce n'est pas moi qui le ferai à votre place faites-le je vous avais déjà promis et je l'avais déjà dit bino pe bozola na ngai 099 99 370 79 081 812 00 92 089 555 70 42. Voilà, na j'ai appelé à l'Iboso Yangoyo. Allô? Allô? Pardon? Allô? Oui? Ah, vous en avez un cap, hein? Ah, alors bien, vous en avez un cap, hein? Na mon étiquette. Allô? Oui? Ah, na mon étiquette, le bouquet, Kati. Allô? Allô, pasteur? Ah, Luba?
Oui. Au lobby. Allô. Et au cas moi mouké, pour ça moi mouké un peu la poste télévisée un peu le bas moi makasi. Ah na mon net Kati, je crois que de quoi reprendre au Isali message naé 081 812 0092 089 559 70 42 099 99 370 79. Voilà Nazana Bino en direct Natango na tikeli bino tango ya kubenga Bulandi ministère ma peut-être Rolanda pasteur capitao au Kansaga tam sous particularité libaleza bien te nzamba salanga grâce boyebi na zote ya mate ya mon azolo ba en vous repose sous forme de semences la capacité de bénir le monde entier katinayo et fandi na forme ya konamoko semences makukio yo singeli yo ba kopambola mokili parce que mutazaka semences ina kati ya semences wana ezana nzete nzivitona singeli botambuma e bambumana ya ngonde e pambola mokili est-ce que nzete ne se koma mbuma ya pasteur capitaine se koma mbuma voilà pourquoi na pambola kabato tout je appelle oyo allô. Allô? Oui? Allô, papa? Oui? Oui, le bas, Nazio? Oui? Pasteur Eli? Oui? Tu s'adresses bien, tu vas y aller comme ça. Bah oui, on a l'église Nabino, bah oui, nous avons au Pambola, pour Pambola ministère, mais on a l'église Banda. Hello, bah. Amen. Oui. Pour cela, moi, je un peu dans le poste télévisé pour être bien, pour que s'adresse soit bien, pour que bandeko bozo landata msona Luanda donc église Rema pasteur Eli oyo tozo implanté église kuna azo pesa bino adresse et pas église et sengeli boku tanaye et je crois que nzamba pambola bino bo pambola pe musala nzambe kuna nenga na pambola bino na télévision bozo landa et zo ngela so adresse lo ba bien adresse vali na munti ya kanzinga oui zo ko vit pastor. Oui. Je crois qu'il y a un décobayo qui. Donc, pasteur Eli Ngengi. Oui. Ok. Rappelez-nous un numéro na yo. Pesa numéro na yo comme ça. Bah oui, bien on a numéro na yo. Pesa numéro. Na pesa y j'irai sa grosse sungangai awa. Oui, pesa numéro. 423. Donc plus 242 hein. Oui. 0244. Ah, à plus 244, s'il vous plaît. Effectivement, Ndenga Lobby, plus 244. Après, 233. Oui. 200. Voilà. Oui. Ok. Continuez au Loba, pour que vous ayez numéro. Vous avez appelé à tout à l'heure, nous avons ceux qui n'ont pas. Oui. Zongi la sou numéro 1 ou bien 00244. Oui. Ok. Oui. Ok. On a souka 13.
Je crois qu'il y a un peu de Luca, il y a un peu de Sabangwang. Oui, donc il y a plus 244-923-922-513, c'est ça? Donc, Bandero Bola, dans la loi de Pasteur Eli, il y a un numéro plus 244-923-922-513. Ce que vous avez Akoye Bisabino et pas église Ezali, bazo implanté église Zéré, Makuna. Et après, je crois que, au Nzamba Rochabino, la Motema, Boye Bako investir, beaucoup ma investisseur à Royaume, na Moussala Nzambe, pour être sans malam pété à Makuna, na Nzela église Zéré, malamo triomphe toujours, na Pasteur Eli. Vraiment, Pasteur Eli Nzamba Pambolayo, Ndengi le Loyo Moko intervenir, pour na église Zéré, malamo triomphe toujours. Oyo ezali pe moko ba objectif na biso tolingi ba ambaza la sauver soyi ba bikisami baza la peine église ici comme ya bien bazo sambela biso tozala awa na RD Congo voilà kuna pe na Rwanda église ba limpi ufungola bino kuna bugende ko sambela kuna donc bo bengi pasteur Eli Ngengi na numéro o na pesi plus 244 923 922 513. Amen. Voilà tozala bino toujours en direct na émission Oyo ndenge bozola na tango Oyo émission ezo pambola bino le pasteur enseignant capitaine Mbombe le nous a présenté bino les 7 branches donc au lundi pasteur nazaka pasteur n'église te nazotea boye binga nzamba sala grâce na ekola na université économiste de formation c'est que ce que tant nazo formé ba entrepreneur nazo la ki sabatu mayele pour te ba créer ba richesse ba résorber emploi. Allô. Allô papa, bonjour. Bonjour. Papa, ce qu'on a dans l'église, c'est à côté. L'église est dans la banali à numéro 34, dans la commune à Kassavubu. C'est-à-dire que, si vous êtes à côté de Bandal, ou dans le coin à Kassavubu, dans Gambela, ou soit si vous êtes à côté de Victoire, ou l'équipe Mariano, dans le coin à Kassavubu, dans Gambela. Dans le coin, on a, d'ailleurs, dans le coin, dans l'école, immeuble, bureau, il n'y a pas d'Ezali. Et à partir et à venir à Kassavubu, dans le coin, il y a Gambela, première, deuxième, troisième rue, il y a un an de Banali à numéro 34, commune à Kassavubu. À partir de Banali à 34, on a coin à Gambela, première, deuxième parcelle, numéro 34, et pas église Ré, Malamo, Triomphe, toujours Ezali. Ce qui est à l'élo, 8h, disons 7h30, vous voyez, 8h, je crois, on a promettre Bandekobo, là, dans ma terre, en live, na YouTube, na vous allez en direct partout dans le monde, les gens peuvent me suivre, na ma terre, à peine, na l'opin, na robanda, émission, à Liboso, en live, où ils ont intitulé La foi triomphante, où on a dit, l'élo, na 19h30, l'élo, dimanche, à les 6 août, oyo, na 19h30, en direct sur YouTube, na thème, mon, na opé, ça, la foi en la bénédiction. Kondi manao ezali li pamboli nzambe sa pambola li kolona moto o esengelo memela bato mususu mambute bato ba lobela ba malédiction tala ba problème ozana ngo yakato sambela tout ça vous élevez les diables. Ça c'est la vérité parce que diable atale la kama lobaya moto ndenga empoisonna ki malobaya Adam na jardin tango ali akimbuma po lobaka ba problème o li lobaka o ezali réponse li lobana nzambe parce que moto a rejeté ki ezaki façon ko rejeter li lobana nzambe mais nzambe alinga ite moto azala perdu pour le bon voilà pourquoi aiba ki ko écarté na arbre de vie pour être asimba ngote pour être toebi ba o bazo ndimela lelo ba o bazo kroana li lobana nzambe un jour arbre de vie wana na lola toye ba kozana libéla na libéla. Amen. Voilà pourquoi il y a solo bandeko arbre de vie na yo balobi la parole douce c'est l'arbre de vie mais ce que vous allez maloba mala monter c'est que solo bamabe aux tombe la diable il y a onande et ko koma lokola arbre de la mort yo mo solo kakufa kati na yo ndenge zalaki Adam na Eve. Voilà to komi vraiment ba côté ya suka émission na biso ndenge bolandingai na mokolo na lelo na présenter bino le 7 branches ya ministère Emma. Je crois que peut-être oui ba pasteur capitaine Ote mais au réaliser en haut dans les 7 branches d'activité, où est Pambola Kabato? Voilà la façon dont vous avez Pambola Bato. Je vous appelle les alias Soukalo. Allô? 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 Oui? Vous avez appelé le dans la province de l'Ituri. Ah, province de l'Ituri. Oui. Il y
Ah, ça va, merci. Je crois qu'il a noté en gros sur la lundi pour être numéro dans la peine à Pessi, au Ruyo Benga. Mais dans le même temps, pour la Ituria, ceux qui m'attirent dans la Lélo, ceux qui ont Facebook, Internet, au côté, na YouTube, ou bien au côté na Facebook, Capitan Mbombe Ministry, au comité à Capitan Mbombe, comme on a au côté na Facebook, au monde à tout, tchali à Mogoboué. So, direct, il y a une 8h à Tongo, au lundi matin, à peine à Poko, à 19h30, émission à Sikana, au Banana, au salon régulièrement, pour l'Andango, pour être à servir, bino, au Pambolama. Voilà la façon dont ils ont à servir. Nous avons besoin de Pambola, puisque c'est une chose à bénédiction pour nous. So, à Pambola, Péo, Kounana, province, Yaitou, Binono se tuboza kuna bulandi biso. Merci. Voilà, Tokomina Suka, c'était l'émission La Voix Triomphante. Et aujourd'hui, je commence l'émission La Foi Triomphante. Nani Asunaga na Suka, monsieur appelle à Suka. Allô, rapidement. Allô, papa. Bonjour, les enfants de Rona, tout bien. Oui. Alors, papa, la rose en numéro, on a eu privé. Numéro nanga yango bengi 099 99 370 79. Ok papa nanga nana mwa makamu mukwa wa ezu sana nga diete me zambi soka susko papa programu nanga kwa yambo yamba jone ya jone. Bon nazana nanga de lundi a vendredi ha kubanda ba 10h ti 13h na bureau. Ha? R. Kubanda 10h ti 13h. 10h à 13h? Oui. Ça va, merci papa, Nzamba Pambola. Ok, à Pambola Pepino, premier pena 6 émission, Nzamba Pambola Ibso Poto Pambola Abatu, Tolongola Bloraba malédiction, Tolobara bien, ou Tolobara Yonde Kokisamaka Nzambe, vraiment Azana Bino, ma Pambolina Bama, Botanyo son Amboka Kongo, Naba autorité Amboka, Bino no Sotubolandi Biso, Pia Pambola Jires Mabika na caméra. Oui, à Simba qui a lelo, na monaki a solo, liba les a bien, yango pezo ya onction na kabola kape, gloa kazadi, na régie kuna, nenga Simba ki pe na radio en relais, Chinola Mbo José, na RTI, la chaîne qui change la figure du monde. C'était l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur, capitaine Mbombe, le professeur motivateur, l'économiste des formations, celui qui vous établit dans la foi et dans la particularité, Liba les a bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom.